Bonjour tout le monde, vous êtes nombreux, c'est bien. Nous faisons partie du collectif des Gilets jaunes de Saint-Macaire. Ce collectif a participé dès le 1er novembre 2018 à de nombreuses actions. Occupation des ronds-points, construction d'une cabane maison du peuple, organisation de marchés citoyens, réquisition de la gare de Saint-Macaire au profit de la lutte et des plus démunis, assemblée citoyenne hebdomadaire où nous expérimentons la démocratie directe. On peut dire qu'à travers le mouvement des Gilets jaunes, la violence policière s'est révélée extrême dans ce pays. On peut dire aussi que ce qui a permis de montrer ces violences au monde, ce sont les vidéos amateurs et les vidéos des journalistes prises pendant ces manifestations. Qu'en sera-t-il demain si l'article 24 de cette loi scélérate est promulgué par le Sénat? Cette semaine encore, un citoyen innocent a été violemment tabassé par les forces de police à Paris. Son seul tort, être noir? Darmanin, en parlant de ces actes de violence, a dit « Quand on déconne, on démissionne. Cette agression n'a rien d'une déconnade. C'est un crime. Darmanin, tu déconnes, tu démissionnes. » Ouais. Nous sommes opposés à la loi dite de sécurité globale, qui vise à travers ses articles 21, 22, 24, entre autres, à organiser le fichage et la reconnaissance faciale via les caméras piétons, les agents, via les drones, tout en interdisant aux journalistes et aux citoyens et citoyennes de rendre public l'usage et surtout les mésusages de la force publique. Nous sommes renforcés de notre opposition par les derniers actes d'une violence excessive et non proportionnelle qui ont été commis par les agents dépositaires de la force publique lundi, place de la République à Paris. Dans l'éducation nationale aussi, un véritable tournant répressif est engagé depuis quelque temps contre toutes celles et ceux qui contestent les politiques du ministre. En octobre, les 4 de Mel sont des enseignants du lycée, ont été accusés d'incitation à l'émeute et de manquement à leur devoir de réserve pour avoir participé au mouvement de contestation contre la réforme Blanquer, et ils sont lourdement sanctionnés. Aujourd'hui à Bordeaux, après un professeur du lycée Eiffel il y a 9 mois, ce sont 3 profs du lycée Mauriac qui sont menacés pour avoir participé à la grève contre les épreuves du bac en janvier. La politique au service des plus riches, la casse des services publics des droits sociaux, l'explosion de la misère, ça ne passe plus, et le pouvoir utilise la force pour imposer ses choix. Nous refusons que la France soit le pays des violences policières et des atteintes à la liberté d'informer. Oh. Comme ça a été dit tout à l'heure, lundi 23 novembre, des centaines de migrants réfugiés sur la place de la République ont été violemment évacués par la police, tentes, couvertures confisquées. Les exilés et certains de manifestants en soutien qui étaient présents ont été dispersés avec des grenades, des encerclements, pourchassés dans les rues pendant plusieurs heures sans relâche par les forces de police. Des personnes, y compris des journalistes, ont été intimidées, molestées, blessées par les policiers qui ont fait usage de flashballs, de grenades lacrymogènes et de matraques. La répression et la violence d'État se sont abattues sur eux. C'est une dramatique illustration de la situation que nous sommes en train de vivre. Et les images de ces faits, et c'est une excellente chose, des images insupportables, elles ont pu circuler et elles ont provoqué des réactions indignées. Encore plus indignées d'ailleurs sur l'agression de ce, ou tout autant, allez, on va dire comme ça, sur l'agression de ce producteur de musique agressé violemment chez lui. À ce propos d'ailleurs, M. Darmanin s'est dit choqué par les images. M. Darmanin se moque du monde. M. Castaner a même publié un tweet de solidarité avec Michel. Faut quand même oser le faire. Alors, mesdames, messieurs, chers camarades, vous le savez, avec cette loi, pour avoir l'autorisation de couvrir une manifestation, les journalistes devront nécessairement demander une accréditation auprès de la préfecture ou du ministère de l'Intérieur. Il y aurait donc des bons journalistes proches des autorités et des mauvais journalistes qui encourent le risque d'être interpellés pour attroupement. Alors, chers amis, mesdames, messieurs, chers camarades, les violences policières se répètent dans ce pays. Elles sont un fait, elles sont prouvées. Il ne s'agit pas simplement de bavures, ce sont des violences d'État ou des violences policières d'État. L'organisation de la répression des manifestations, des regroupements, le quadrillage des quartiers sont le fait des sommets de l'État. La violence policière d'État pose directement la responsabilité politique du gouvernement et de ses représentants qui n'ont cessé de les couvrir, de les justifier ou de les nier. D'ailleurs, M. Macron ne dit pas mot de bien d'autres séparatismes, parce qu'il y a bien d'autres associations, c'est parfaitement leur droit, hein, qui ne sont ni mixtes, ni laïques, ni inspirées par les idéaux de la République, etc. Il ne parle pas non plus d'ailleurs des 12 milliards d'euros d'argent de l'État versés aux établissements privés catholiques au titre de la loi Debré. Est-ce que ça, c'est pas aussi du séparatisme ? Non, c'est une idéologie d'État, par nature totalitaire, qui viole la liberté de conscience des citoyens. Tout est fait pour faire taire les oppositions. Alors si vous ne marchez pas dans le rang, alors vous êtes complotiste, communautariste, islamo-gauchiste, climato-sceptique, éventuellement gilets jaunes aussi d'ailleurs, populiste, poujadiste, révisionniste, etc., etc. Et je termine, mesdames, messieurs, chers amis, chers camarades, quand les libertés régressent, la démocratie diminue, le socle républicain est fortement remis en cause. Aujourd'hui, ce n'est plus le Parlement même qui fait la loi, c'est la police. Ce ne sont plus les citoyens que l'on protège, ni les journalistes. On protège les policiers qui commettent des exactions contre nos libertés fondamentales. Alors, ne les laissons pas poursuivre leurs menaces contre la liberté de conscience. Ne les laissons pas malmener et brutaliser l'expression de nos opinions différentes. Monsieur Béroud, d'ailleurs, a déclaré cette semaine qu'il craignait l'agrégat des colères. Il a raison de craindre. Oui, il y a la colère de la jeunesse, la colère des étudiants, la colère des salariés, des retraités, la colère des artisans, des commerçants, des agriculteurs, la colère de tous ceux dont on détruit le travail et les revenus. Il y a notre colère de militants pour la démocratie. Ils ne pourront pas étouffer cette colère populaire. Ils ne pourront pas empêcher les convergences pour la liberté, pour la démocratie. Tout est en train de se retourner en son contraire. La Libre Pensée, avec sa spécificité, comme la Ligue des Droits de l'Homme, prendra la place qui leur revient dans le combat démocratique. La répression ne nous fera pas taire. Mesdames, messieurs, chers amis, chers camarades, restons unis pour la défense des libertés démocratiques. Défendons ensemble la liberté de conscience, la liberté d'expression, d'organisation, la liberté de manifestation. Stop à l'état d'urgence sanitaire, abrogation de toutes les lois et ordonnances liberticides, retrait de la loi Macron-Darmanin de sécurité globale. Je vous remercie. Merci Christian. 2 minutes pour Force Ouvrière. Pour le capital et l'État, c'est toujours la même règle. Travaille, consomme, obéit. Et ça ne date pas de Macron, ni de Hollande, ni de Sarkozy. Depuis mai 68, les capitalistes nous reprennent petit à petit les libertés arrachées. Depuis 45, les capitalistes nous volent nos droits sociaux, notre sécurité sociale, obtenue par le Conseil National de la Résistance. Ce programme appelé « Les jours heureux » du nom que Macron a le culot de récupérer à son compte pour la bourgeoisie et ses relais politiques. Chaque crise est un prétexte pour renforcer le capitalisme, enrichir les plus riches et appauvrir les plus pauvres. On le voit en France avec aujourd'hui 95 milliardaires et 2 millions de pauvres supplémentaires. Actuellement, l'État produit à la chaîne des projets de loi liberticides, loi de sécurité globale, loi raciste contre le séparatisme qui stigmatise les musulmans, mais pas l'intégrisme, le séparatisme catholique. Loi de programmation de la recherche qui criminalise la contestation dans les universités. Loi Avia sur la censure des réseaux sociaux. Résolution UE voulant s'attaquer à la confidentialité des communications cryptées. En pleine crise sanitaire, l'État poursuit la destruction de l'hôpital public. Les soignants se font entendre le manque de moyens humains et financiers depuis des années. Et le gouvernement continue à fermer des lits sans investir dans les services de santé dignes de ce nom. Car la violence de l'État n'est pas que policière. Elle s'exerce aussi par la précarisation, l'insécurité sociale, la servitude, l'appauvrissement de la population. En même temps, le patronat a brevet d'aide publique licencié à tour de bras et les actionnaires continuent à toucher d'énormes dividendes. Dans ce contexte anxiogène, les confusionnistes de l'extrême droite mènent une offensive de propagande sans précédent qui participe à déboussoler les exploités, à les rendre passifs, à les isoler. Le complot s'appelle capitalisme. Nos revendications sont simples. Pour des services publics qui répondent aux besoins de l'immense majorité de la population. Nous exigeons 10% d'effectifs en plus dans toute la fonction publique, État, territoriale, hospitalière. 10% d'augmentation des salaires tout de suite, 10% de temps de travail en moins pour pouvoir donner à tout le monde. Au lieu de ça, le gouvernement poursuit sa politique de déréglementation dans tous les domaines. Il offre des milliards aux patrons pour payer les plans sociaux. Il balaye toutes les revendications urgentes des soignants, des enseignants, des agents et salariés chargés de faire fonctionner les services publics. Il continue de fermer des lits et des services entiers dans les hôpitaux. Il ignore les besoins urgents de millions de travailleurs, pauvres, écrasés par le confinement, et maintenant il plonge le pays dans l'arbitraire et la répression. Nous ne pouvons accepter une telle dérive autoritaire. De telles mesures de régression sociale qui remettent en cause tous les fondements démocratiques issus de la Révolution française et qui rappellent les heures les plus sombres de l'histoire de notre pays. Nous ne sommes pas dupes. Ces dispositifs n'ont pas vocation à protéger la population, mais à faciliter la répression des militants, intensifier les pratiques de lassage, gazage, grenades lacrymogènes. L'ensemble de ces dispositions n'est pas compatible avec la liberté d'informer. En 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme le droit inaliénable à la sûreté qui protège les citoyens contre l'arbitraire de l'État et doit l'immuniser contre les arrestations ou les emprisonnements arbitraires. Mais malgré les restrictions des libertés, malgré les attestations de déplacement à fournir et le déploiement impressionnant de forces de l'ordre, à chaque manifestation, des dizaines de milliers de travailleurs, jeunes, gilets jaunes, dans tout le pays sont descendus dans la rue pour exiger le retrait de la proposition de loi sécurité globale, contre les lois liberticides de l'état d'urgence. La loi sur l'université, qui prévoit de lourdes peines en cas d'assemblée générale d'occupation d'université, la loi de sécurité globale incarne la volonté de franchir un cap vers la mise en place d'un régime autoritaire au service de la politique anti-ouvrière de Macron. Si la loi sécurité globale passe, demain il sera impossible d'avoir de telles images. Il sera impossible de faire connaître les violences policières, les abus de droit les plus terribles. Face au refus du gouvernement de revenir sur la proposition de loi, les syndicats de journalistes ont récemment claqué la porte des négociations et appellent à manifester à nouveau ce samedi. Cette fuite en avant s'inscrit dans la continuité de la répression d'État qui depuis 2 ans s'est abattue contre les gilets jaunes, contre la jeunesse, contre l'ensemble des manifestants. Elle est l'instrument d'un gouvernement qui entend aller jusqu'au bout de sa politique de destruction au service du capital financier. Un gouvernement qui taille à coups d'ordonnances dans le droit du travail, qui veut liquider nos retraites, la sécurité sociale, la santé et l'école publique, et qui finance à coups de centaines de milliards les plans de licenciement qui tombent en avalanche. Un gouvernement qui a fermé 7500 lits dans les hôpitaux en 2 ans, qui a continué d'enfermer depuis le début de l'épidémie et qui tente de camoufler cette politique criminelle en décrétant le confinement. L'exaspération contre Macron et le gouvernement monte dans toute la population, qui n'en peut plus de cet état d'urgence sans cesse prolongé, du confinement qui suspend toutes les libertés et qui est en train de provoquer un effondrement brutal, dramatique des conditions d'existence de centaines de milliers de travailleurs et de jeunes. Le rassemblement ce jour à La Réole, comme dans tout le pays, somme comme un appel à en finir avec cette politique. À ce propos, dès le lendemain du discours de Macron, fin octobre, M. le maire de Langon décidait de fermer tous les locaux communaux, y compris les locaux syndicaux, sans aucun texte réglementaire. Nous lui avons écrit avec nos camarades de Force Ouvrière le 4 novembre en demandant la réouverture des locaux en utilisant l'article 3 du décret 29 octobre. Pardon. Pas de réponse. Nos unions départementales CGT et Force Ouvrière ont écrit à nouveau cette semaine sans réponse à cette heure. Continuons partout, dans les localités, dans nos entreprises, à mobiliser pour exiger le retrait de la loi de sécurité globale contre l'état d'urgence qui seront les préalables à renverser la politique de ce gouvernement. Nous appelons à multiplier les appels, les initiatives pour exiger le retrait de la loi globale. Nous en avons assez. Déclarons la mobilisation générale. Exigeons le retrait du projet de loi sécurité globale. Exigeons l'abrogation de l'état d'urgence. Peu importe qui nous sommes, peu importe d'où que l'on vienne, c'est le peuple qui s'exprime et qui exige de ne plus subir. Merci. Merci Didier. Défendons clairement une ligne de classe sociale, anticapitaliste, féministe, de défense des droits LGBT, antiraciste, antifasciste, anti-autoritaire. Anti-Macron. Eh bien évidemment. Redonnons vie à ce principe révolutionnaire de chacun suivant ses moyens, à chacun suivant ses besoins. Si le système met en danger notre santé et celle de nos proches, si le système ne nous permet pas de vivre dignement de notre travail, si le système ne favorise pas notre épanouissement, si le système développe la compétition individuelle plutôt que l'entraide collective, si le système détruit la biodiversité et provoque une extinction de masse, si le système ne nous permet pas d'être libres, aimants et joyeux, renversons-le! Ouais! Inventons un autre film.